Alors bonjour tout le monde, c'est DarkComment pour mes 150 abonnés. Alors merci tout le monde de vous être abonné à moi, ça me fait plaisir. Pour les 150 abonnés, j'ai sorti le nouveau background. Le background, ben il montre mon logo, les prix, désolé, les prix, parce que je vais faire, je fais des backgrounds simples, 5€. Alors là, je vais juste vous expliquer un petit peu. On va dézoomer. Les backgrounds comme ceci dans le fond, pas partenaire, c'est 5€. Je me considère avoir mis les prix pas chers parce que il y en a des moins chers bien sûr, mais ils mettent peut-être pas autant de travail. Alors, un background simple c'est 5€. Que je mets vraiment tout mon travail, mon savoir-faire, ça prend environ 1 heure à les faire. Ok? Exemple celle-là, ça en prend 1h45, je pense. Alors c'est ça, 1 heure. Un background partenaire, c'est gratuit, comme pour moi tous les designers. Car les partenaires, ils ont quand même beaucoup d'abonnés et ils peuvent nous faire beaucoup d'abonnés. C'est pour ça qu'on les met gratuits. Une image perso, comme celle-ci, c'est 3€. Mais 3€, il n'y a pas de logo dedans, c'est juste un texte ou deux textes, là, bien sûr. C'est 3€ qui prend à peu près 45 minutes à faire. Un logo, c'est 4€. Parce que un logo, qui est comme ceci, exemple. Mais vous, exemple, vous pouvez avoir un léopard, vous me dites un léopard, je vais vous trouver une image léopard, ou vous avez déjà votre image, que je vous refais et que je peux vous faire sur Cinema 4D. C'est 4€ parce que ça me prend vraiment beaucoup de temps, 1h15, 45, facile. Exemple, la mienne, ça a pris 1h, 45 minutes, je crois, à peu près. C'est vraiment long. Un intro Cinema 4D, pas After Effects, pas d'effet de lumière, pas de tremblement, pas rien. Je pense que j'en ai une, je vais aller vous montrer. Ouais, j'en ai une en fait. Désolé, là, je cherche. Regardez l'exemple celle-là. Exemple celle-là, ben ça c'est 7€, mais celle-là il n'y a pas beaucoup de travail, il y a juste le texte qui a été travaillé. Je peux vous faire beaucoup plus d'effets de caméra qui bouge et tout pour 7€, mais sinon ça vaut vraiment la peine de rajouter 3€ pour avoir After Effects de plus. Et si vous avez déjà un logo, ben regardez qu'est-ce que ça peut donner. C'est vraiment beau là. C'est vraiment à vous de choisir qu'est-ce que vous allez me dire. Par exemple, que vous décidez de prendre un intro Cinema 4D avec After Effects ou n'importe quoi, faut que vous me contactez Skype, m'ajoutez Skype, me dire je veux un background simple, tel à faire. Ben, vous m'envoyez 5€ et ensuite je fais votre background. Vous l'approuvez s'il est beau. Ben, vous l'approuvez dans le fond, je vous l'envoie et vous dites s'il est beau ou non. Mais s'il est moins beau, on va regarder qu'est-ce qu'on peut améliorer. Parce que c'est ça. Pour que vous soyez satisfait. Bon. Aussi, avec les 150 abonnés, je vais faire un petit. Ben, on peut dire un let's play, mais c'est plus une présentation. Mais que, d'après moi, plusieurs personnes vont aimer. Du jeu Killing Floor. Je vais jouer à ça. Une petite game tranquille avec vous. Et ensuite, si vous aimez ça, ben on va faire d'autres games. Mettons, on peut mettre des défis. Exemple que, tu sais, c'est un game. On tue des zombies, ce jeu. Exemple que vous voulez que je joue une game avec le premier gun du début tout le long. Que je me rende le plus loin possible, je vais l'essayer. Que je joue une game au plus dur, je vais l'essayer. Que je joue une game au couteau, n'importe quoi. Tu sais, j'ai plein d'idées. Si vous n'avez pas d'idées, je vais en trouver moi-même des idées. Y a pas de problème. Alors, j'ai un petit peu de misère avec ma voix déjà. Merci tout le monde, à la prochaine.